Bonjour à tous, merci d'être là avec Timothée Leboucher qui va nous accompagner pendant cette petite heure pour parler notamment de son nouveau titre, 47 cordes. Je vois que certains d'entre vous l'ont déjà en main. On reviendra aussi sur ton parcours, ces jours qui disparaissent évidemment, qui t'a révélé au grand public, Le Patient il y a quelques années. Mais d'abord, ces 47 cordes, c'est une histoire qui est assez difficile à résumer. En plus, j'ai pas forcément envie de la spoiler. Mais pour faire simple, on a un personnage principal qui s'appelle Ambroise, qui a 32 ans, jeune homme bien sous tout rapport, plutôt beau garçon, et une métamorphe qui va tomber amoureuse de lui. Alors déjà, il faudrait que tu nous définisses ce que c'est qu'une métamorphe. Ah oui, bah en fait, c'est un être qui peut changer de forme à sa guise, et du coup, elle va tomber en amour ou en désir pour Ambroise, et elle va essayer de changer de forme pour tenter de le séduire jusqu'à parvenir à rentrer dans sa vie sous plusieurs identités. Du coup, oui, plusieurs identités, elle va peut dire que c'est le début du livre, mais notamment prendre l'identité de son meilleur ami, enfin de son futur meilleur ami, évidemment, glaner tout un tas d'informations sur comment le séduire finalement. Oui, c'est ça. Il va lui demander, genre, pour toi, quelle est la fille parfaite, et du coup, elle va créer cette fille parfaite avec qui. Du coup, il va potentiellement sortir et il va aussi devenir son mécène avec ce personnage de la cantatrice assez particulier, du coup, qui va lui imposer un défi. En fait, pour récupérer une harpe... Parce qu'il est harpiste, j'ai oublié de le préciser. Oui, il est harpiste, oui. Et en fait, elle va lui imposer 47 défis qui correspondent aux 47 cordes de la harpe. Et à chaque fois qu'il remporte un défi, il a droit à une corde. À une corde, et à la fin, il a le droit à la harpe, du coup. C'est tordu comme histoire. Comment ça t'est venu et qu'est-ce que tu avais envie de raconter? Je crois que la base, le déclic de l'histoire, il est venu parce que ma coloc était sur Tinder. Et en fait, elle s'amusait à... une histoire, elle peut naître de n'importe quoi, en fait. Et du coup, elle swipait les garçons. Il y en a plein qui lui plaisaient pas. Et il y en avait, on sentait que potentiellement, vu les goûts et tout ça, ils avaient l'air sympas et ça pouvait matcher et tout ça. Mais juste à cause d'un détail physique, en fait, ça lui plaisait pas. Et du coup, je me suis dit, mais si, par exemple, ce garçon pouvait changer juste d'apparence et du coup, retenter la chance, ça se trouve, ils auraient pu vivre une grande histoire. Et c'est là où est venue l'idée d'un personnage métamorphe qui change de forme pour séduire un autre personnage. Ouais, et tu t'es plongé dans une documentation, t'es cherché, parce que c'est ce genre d'histoire, on en trouve qu'on émaillait un peu l'histoire de l'art, des personnages qui peuvent se transformer. Comment tu t'es inspiré de tout ça et... En fait, à la base, ce scénario, je l'avais juste après Ces jours qui disparaissent, mais en fait, il n'était pas prêt à être développé à ce moment-là. Et donc, c'est pendant l'écriture du patient et la réalisation du patient que j'ai commencé à penser à l'histoire et au potentiel que pouvait... en fait, ça permet de parler de plein de sujets au niveau du corps. Comme la métamorphe n'a pas foncièrement de couleur de peau, de genre... Oui, elle n'a pas de vraie apparence, finalement. Oui, c'est ça. Et en fait, ça permettait de parler de plein de problématiques comme ça. Et j'ai continué à développer l'histoire en y pensant de temps en temps. Et à la fin du patient, quand on a voulu penser le nouveau récit avec mon éditeur, sur lequel on allait partir, je lui ai pitché plusieurs idées d'histoire, et c'est 47 cordes qui avait le plus d'intérêt à ce moment-là, et du coup on a décidé de partir dessus. Qui était déjà une histoire à part entière, c'est pas un mélange de plusieurs idées que tu avais pu avoir? Oui, alors après, des fois, c'est un truc qui fonctionne, c'est j'avais l'arc narratif et la fin, donc jusqu'à la fin du tome 2, mais effectivement, par exemple, le héros, à ce stade, j'avais pas trop son métier, et l'histoire de l'orchestre et de la harpe, c'est venu quand je me suis demandé ce que j'avais envie de dessiner, en fait, dans l'album. Et depuis quelques années, en fait, avant, j'étais en coloc avec pas mal de musiciens et j'ai plein d'amis qui sont dans la musique. Et du coup, c'est un univers que j'ai découvert récemment et j'avais envie d'utiliser tout ce que j'avais découvert dans l'album, en fait, donc en dessinant tout ça. Et ça s'est mélangé un peu petit à petit. Ouais. Je sais pas si c'est là aussi sans trop en dire, mais c'est quand même la manière dont tu décris le milieu de l'orchestre avec ces clans qui... Ah oui. Si c'est ça tes amis et la non, façon non. dont ils vivaient leur quotidien de musicien. Non, mais il y avait un peu des idées où c'est en fait comme c'est un. Mais je pense que c'est un peu pareil pour certaines écoles d'art et tout ça, où c'est un milieu un peu où on doit exceller avec notre travail, avec notre personne. En fait, il y a forcément des comparaisons et des compétitions, et il y avait un peu des notions de groupe comme ça et qui s'affrontent. Enfin, il y a un peu des idées comme ça, et c'est un peu l'écho que j'avais envie de. L'écho à ces choses-là que j'avais envie de mettre dans l'histoire, en fait. Mais après, c'est pas précisément comment fonctionne ce milieu-là, hein. C'est vraiment ces personnages-là qui font ces choses-là. Alors, cette métamorphe, elle est prête à tout pour le séduire.
quitte d'ailleurs à ruiner son existence. Ça, c'est ça qui est assez étonnant. C'est-à-dire qu'elle est, elle est folle de lui, en tout cas, elle a envie dingue de le séduire, mais elle est prête à le faire souffrir énormément pour le séduire. En fait, c'est assez ambigu, mais je pense que il y a un espèce de flou dans l'album. On ne sait pas depuis quand elle est là exactement. Et du coup, pour moi, elle a, à force de voir des gens disparaître et tout ça, elle a un espèce d'émoussement affectif où elle a plus vraiment d'émotion et elle considère un peu les gens comme des objets ou comme des. Et en fait, elle s'ennuie beaucoup. Et du coup, effectivement, quand elle n'arrive pas à le séduire, en fait, ça lui crée une forme de désir qu'elle a envie d'assouvir et du coup, une espèce de possession autour de lui. Mais au bout d'un moment, elle tombe dans une forme de piège où, du coup, ses intentions ne sont pas si. Enfin, en fait, sont à la fois très mauvaises et à la fois pas si mauvaises que ça pour elle. Du coup, c'est très ambigu là-dessus, je pense, sur leur relation. Et ce qui est très réussi aussi, c'est que, évidemment, elle est de l'ordre du fantastique, puisque métamorphe n'existe pas, enfin, en tout cas, on l'espère. Et pourtant, elle est très réaliste. Tu la représentes de façon très réaliste. C'est-à-dire qu'on y croit, et à chaque fois qu'il y a un personnage, et c'est tout l'intérêt de l'album, qui va arriver dans la vie d'Ambroise, donc forcément, on se questionne pour savoir si c'est une vraie personne. Comment tu as travaillé cette ambiguïté entre un personnage très fantastique mais finalement aussi ancré dans le réel? En fait, l'idée du fantastique, c'est qu'il y a cet être surnaturel dans un contexte réaliste. Donc, je me suis demandé ce qui se passerait, du coup, si, par exemple, moi, j'avais ce pouvoir-là ou si d'autres avaient ce pouvoir-là. J'en ai parlé avec des amis et tout ça. Et effectivement, j'avais envie d'ancrer ça dans une réalité avec des règles. Parce que, en fait, comme le pouvoir est assez permissif, j'avais envie qu'il y ait quand même des règles sur ces transformations où, en fait, elle a quand même une structure osseuse établie et elle peut modifier d'une certaine manière, mais ça lui permet pas de tout faire non plus dans son corps. Donc, pareil, les vêtements, en fait, elle est un peu dépendante des vêtements, donc elle doit avoir des vêtements différents sur elle. Enfin, il y a quand même des règles comme ça et j'avais envie de plonger ce personnage-là dans un monde plutôt réaliste, même si du coup, quand on fait écho à son monde à elle, il y a plein de choses qui sont dans la démesure, parce que le pouvoir permet énormément de choses malgré tout. Et c'est quoi pour toi? C'est une super-héroïne? C'est une criminelle? C'est une jeune femme passionnée, finalement? Je sais pas. En fait, je pense que en vrai, la loi s'applique pas particulièrement à elle, étant donné qu'en fait, souvent, la loi s'applique à des identités de personnes. Mais comme elle peut s'en changer facilement, en fait, elle a pas vraiment peur de ça, donc elle est un peu au-dessus. En tout cas, après, je veux pas trop spoiler, alors je veux pas aller trop loin. Oui, bon, après, il y a 400 pages, oui, fois deux, puisqu'il y aura un tome 2, donc oui, ça va raconter certaines choses. Il y a aussi ce qui est assez riche dans le récit, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a plein de thèmes sociétaux finalement qui le sous-tendent. Alors, il y a évidemment la question du genre. Si tu voulais parler de la question du genre, En fait, le personnage était super intéressant pour parler de ces questions, mais d'une manière, parce qu'en fait, la question se pose pas particulièrement sur elle. Et c'est vrai que c'était des questions que je trouvais intéressantes et du coup, qui seront plus importantes dans le tome 2, en tout cas, qui sont un peu survolées dans le premier tome. Et ça faisait partie comme ça des différentes pistes de réflexion que permettait l'écriture d'une histoire avec un personnage métamorphe. Et aussi, il y a un peu ce parallèle qu'on peut faire avec un auteur de bande dessinée qui crée des personnages, des anatomies, des phrasés, des gestuels. Et il y a un peu cette idée aussi que comme un auteur de BD qui se met à la place des personnages, elle crée des personnages, les écrit, les met en scène et tout ça. Et il y a toute une question comme ça où en fait, elle scénarise un peu ses rencontres avec Ambroise, elle les prépare beaucoup et tout, parce qu'elle a l'habitude de faire ça en fait. Oui, ce que j'allais dire, est-ce que c'est pas toi la métamorphe finalement, en quelque sorte, oui. En tant que créateur et... Oui, bah après c'est vrai que souvent dans tous les auteurs de bande dessinée, les écrivains ou tous les gens qui font des dialogues ou créent des personnages, je pense qu'en fait, tous les personnages qu'on voit sont créés par l'auteur. Donc en réalité, l'auteur se met à la place des personnages et fait parler les personnages de manière différente pour créer des identités propres. Du coup, je pense qu'il y a un parallèle comme ça qui peut être intéressant. Mais on te sent presque plus proche d'elle, finalement, de la métamorphe, que d'Ambroise. Ah oui, en vrai, je pense que on peut. Je m'identifie à tous les personnages pour les écrire. Au même niveau et... Oui, après, il y en a que je préfère, mais je pense que, Ambroise, je partage pas mal de choses, certaines choses avec lui aussi, qui sont. Ou alors des mélanges avec des amis, ou des. Enfin, c'est vraiment les personnages sont un peu des mélanges de choses que je vis, de choses que je vois, d'amis et tout ça. Et en fait, ça permet d'écrire, d'avoir des modèles d'écriture pour changer vraiment les manières de parler. Genre là où Ambroise est très froid, le visage très fermé,
Et très timide en fait. Par exemple, là, et toutes ces phrases sont un peu courtes et vont un peu à l'essentiel. Là où, par exemple, le personnage de la cantatrice est plus excentrique, très théâtral, utilise beaucoup de métaphores. Et du coup, c'est vraiment des manières de parler différentes dans l'écriture. Et c'est faut un peu switcher de l'un à l'autre. Et c'est assez marrant à faire. Il y a la question du genre, on le disait. Il y a aussi la question de finalement comment notre propre vie est aussi beaucoup structurée par les obsessions de notre entourage et des gens qui nous entourent. Oui, c'est vrai. Bah, parce que, du coup, Ambroise, qui est harpiste, par exemple, a été éduqué dans une famille où on lui imposait de devenir une sorte d'enfant prodige. Et en fait, il a vécu avec cette imagerie-là au-dessus de lui qu'il n'arrive pas forcément à atteindre, vu que, en fait, il a loupé tous les concours d'orchestre. Et là, c'est la première fois où il est dans un orchestre et où potentiellement il pourrait rentrer dedans. Et du coup, il y a tout un enjeu comme ça. Et en fait, il ne sait même pas si c'est vraiment lui qui le veut ou toute son éducation qui lui impose ça. Et là où, du coup, il y a tout un travail psychologique qui va être fait avec la cantatrice, où elle va essayer de le libérer de toutes ces chaînes qu'il a, de pression sociale ou ce genre de choses, et de lui faire vivre des choses qu'il n'a pas l'habitude de vivre, et du coup, de l'introduire un peu dans une partie de son monde à ce moment-là. Il y a des scènes qui sont dans des décors assez gigantesques, notamment les scènes qui se passent chez la cantatrice, dans cette espèce de palais. On a l'impression d'y retrouver pas mal d'inspiration du cinéma, finalement. On pense à les Sweatshirts, on pense à des films comme ça. Toi, c'est des choses qui t'ont marqué, que tu revendiques, ou c'est un heureux hasard? Oui, en fait, je pense que je suis pas mal influencé par le cinéma. En fait, n'importe quel média qui crée des histoires m'intéresse, en fait, potentiellement. Et c'est vrai que le cinéma, en fait, particulièrement, parce que quand je découpe, j'imagine qu'il y a une caméra et j'imagine par exemple certaines séquences qui sont pour moi comme des plans séquences où la caméra suit, alors qu'en réalité c'est juste des ellipses. Donc en fait, ça c'est pas, mais je pense que je découpe un peu d'une manière plus influencée par le cinéma que par peut-être la bande dessinée, parce qu'en fait, petit, j'en ne lisais pas énormément et j'ai découvert plus tard et plus avec le manga d'ailleurs. Et du coup, c'est vrai que pour moi, c'était pas très naturel les codes de la bande dessinée au départ, et j'avais du mal à en lire. Et je crois que c'est un peu à ce stade-là, quand j'avais peut-être 15 ans ou un truc comme ça, que j'ai commencé à décortiquer les bandes dessinées et essayer de comprendre comment ça fonctionnait et comment c'était écrit. Et en fait, je trouvais ça incroyable en trois cases de pouvoir raconter autant d'informations, de mettre autant d'informations et tout. Et j'ai beaucoup étudié la narration à ce moment-là. Et je pense que c'est aussi pour ça que mon découpage est assez aéré, c'est pour qu'un lecteur puisse lire de manière plutôt fluide quand même le récit et que ça soit pas. C'est vraiment lié à moi, ma manière de en tant que lecteur, ma manière de lire. Aussi, je pense, et de créer des silences et des rythmes comme ça. Mais c'est intéressant, ça veut dire que quand tu travailles ton découpage, tu le fais plus comme le ferait un réalisateur de cinéma, c'est-à-dire de te positionner comme tu positionnerais une caméra, oui. Comme peut le faire un dessinateur qui va avant tout positionner peut-être ses personnages dans un... Oui, après, je pense que c'est un peu pareil, mais c'est plutôt quelle imagerie nous influence quand on dessine. Et moi, effectivement, je pense que c'est plus du cinéma que certains dessins, en fait, au final, peut-être. Oui, ça se rapproche plus du cinéma que de Tintin ou Astérix, ou dans la manière dont tu le construis. Bah parce que j'ai jamais lu Tintin et Astérix petit, et j'en ai très peu lu depuis. Donc je pense que tout ça, j'avais pas les codes, et c'est pas très naturel pour moi aussi, peut-être. Et c'est peut-être pour ça que le cinéma veut déjà adapter, ou va déjà adapter, tes premiers... Ah oui, tes premiers livres, c'est-à-dire qu'ils ont. Tu lis la BD, tu dis presque. Ça y est. Oui, après, ça dépend. Là, je sais pas, parce que comme il y a un personnage un peu fantastique, peut-être qu'il y aurait trop de budget pour. Puis il y a beaucoup de décors et tout, mais c'est vrai que par exemple, ces jours qui disparaissent, il y a eu pas mal de... Ouais. Enfin, il y a un projet dessus, il y a pas mal de trucs et tout. Et le patient est en tournage en ce moment. Ouais. Du coup, ça, c'est vraiment génial. Et pareil, le patient, c'était un peu un huis clos dans un cinéma. En vrai, il y a pas beaucoup de décors, donc c'est vrai que pour. Pour une adaptation, c'est plus facile, je pense. Ah, pour rappeler l'histoire du patient, oui. Qui était déjà une sorte de thriller. Je te laisse le résumer ou ouais, si tu veux. Allez, vas-y. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Ouais, c'est vrai, on va voir. C'est l'histoire d'un jeune garçon dont toute la famille a été massacrée et qui, du coup, a été poignardé et tombe dans le coma et se réveille 6 ans plus tard à l'hôpital. Et il va être suivi avec beaucoup de stress post-traumatique et de... il n'arrive pas à bouger parce qu'il est en tétraparésie de réanimation. Et il y a une psychologue qui va le prendre en charge et ça parle un peu de la relation un peu plus ou moins ambiguë qui va être créée entre les deux. Et ce qui est très troublant, c'est que sa sœur avait été retrouvée. Ah oui, oui. Oui, sa sœur a été retrouvée avec une arme à la main et plein de sang. Oui. Mais elle n'est plus là quand lui se réveille. C'est oui. L'ambiguïté entre ces trois personnages et la façon dont ça va se construire. Tu disais. Que tu as peu lu de bande dessinée enfant.
Pourquoi et comment tu es venu finalement? Parce que c'est au moment où tu t'es dit je veux faire des études d'art que tu as commencé à envisager de faire du dessin puis donc de la BD. Ou parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui disent quand j'étais petit, j'étais biberonné au Tintin, Lucky Luke, etc. Tu viens de nous dire l'inverse. Donc comment s'est fait le cheminement? En fait, quand je pense que mes parents lisaient pas particulièrement de bande dessinée, donc j'en avais pas. J'avais peut-être une bande dessinée, je crois que c'était le petit Spirou, il me semble, un truc comme ça. Et par contre, je l'avais lu beaucoup, mais j'avais pas trop d'expérience de lecture énormément à ce moment-là. Et je pense que c'est quand je suis rentré au lycée où là j'ai une amie. Enfin, moi je dessinais tout le temps. Et je voulais raconter des histoires, donc en fait je faisais un peu de la bande dessinée, mais sans avoir les codes en fait, donc c'était pas très... c'était illisible, je pense. Et à ce moment-là, j'ai une amie au lycée qui m'a fait vraiment découvrir la bande dessinée, plutôt le manga en fait au départ, mais elle lisait aussi des bandes dessinées, et du coup c'est là où j'ai commencé à devenir curieux. Et comme je m'intéressais au dessin, j'ai commencé à faire un peu les beaux-arts amateurs ou ce genre de choses, et là on a eu un exercice où, avec une amie, on a décidé de faire... je sais pas comment ça s'est passé, mais on s'est dit ah ben on a qu'à le faire en bande dessinée alors qu'on en avait jamais fait et tout. Et je crois que c'est là où j'ai eu le déclic, où j'ai adoré faire ce projet. Et après, à partir de ce moment-là, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la bande dessinée, à en lire, à en demander à Noël ou ce genre de choses. Et je crois que j'ai vraiment eu un déclic où après je faisais de la bande dessinée tout le temps, parce que comme je voulais raconter des histoires et que je dessinais, c'était un peu le mélange parfait et le plus accessible pour moi en tout cas. Parce que à l'origine, si je dis pas de bêtises, tu dessinais beaucoup de gens, mais sous forme de squelettes. Ah oui, ça c'est quand j'étais petit, ouais. C'est étonnant comme... Non, j'aimais trop les trucs d'horreur quand j'étais petit, et je regardais des trucs en cachette, ça me plaisait. Du coup, j'avais commencé à dessiner un peu des... Je me souviens de livres pop-up où il y avait des placards et on ouvrait, il y avait des squelettes d'enfants ou des trucs comme ça, mais c'était un peu n'importe quoi. Et j'aimais bien les trucs comme ça. Donc tu dessinais toute ta classe en squelette? Ouais, je crois que j'avais... Mais aussi, je me souviens, une des premières bandes dessinées que j'avais fait. Et là, c'était au collège, et c'est quand je lisais pas de bande dessinée encore, mais c'était peut-être genre ma prof qui tuait tous les élèves en mode slasher. C'était n'importe quoi. Et je crois que c'est un des premiers trucs que j'avais fait aussi. Mais à ce moment-là, je faisais plein d'autres trucs, donc ça m'avait pas forcément plu, et je m'étais pas particulièrement intéressé à la bande dessinée. J'écrivais des trucs dans des cahiers, des histoires, enfin, je faisais plein de trucs différents. Et c'est venu vraiment progressivement, en fait. Et tu parlais justement, il y a quelques minutes, du manga. Quelle place il a justement dans tes inspirations, parce que c'est vrai que tu as un trait que certains disent, sans que ce soit péjoratif d'ailleurs, assez froid, assez chirurgical, et très inspiré du manga. Comment t'es venu ce style-là, et quelles sont tes inspirations, notamment en termes de manga? Je pense que comme j'ai découvert la bande dessinée avec le manga, j'ai pris l'habitude d'avoir une narration quand même assez aérée, où en fait, comme le manga, pas très cher et c'était en noir et blanc, du coup en fait les auteurs avaient plus de place pour raconter et pour découper l'action, et en fait il y a moins, enfin c'est moins elliptique, c'est quand même elliptique le manga, mais il y a on peut plus s'attarder sur certains moments, sur des détails et tout ça, et il peut y avoir des moments de silence aussi dans le récit, là où peut-être en franco-belge quand j'en lisais il y en avait moins, et du coup c'était beaucoup plus, il y avait beaucoup plus d'informations par page et par case et tout ça. Et je crois que comme j'ai pris l'habitude de lire en manga, j'aime bien que ça soit aéré. Et je pense que mon découpage vient de là en partie. Et aussi, après, bah forcément, quand j'ai lu pas mal le dessin, c'est un peu... Enfin, j'ai pris des codes un peu du manga, mais je pense que du coup, ça s'est mélangé, parce qu'après, j'ai lu énormément de choses plus variées. Donc, à ce stade, ça s'est vraiment mixé un peu, je pense. Et ça fait une espèce d'hybridation entre les deux. Mais c'est amusant, parce qu'on voit effectivement de plus en plus de BD, même ces dernières semaines, je pense à la BD de la Moraviec ou d'autres, qui s'inspirent beaucoup des codes du manga, franco-belgeoisé, j'invente un terme, mais c'est effectivement ensuite toute la génération des 25-30 ans qui commence à publier des bandes dessinées, une grande partie qui sont très inspirées finalement de l'univers manga sans être du manga. Oui, c'est vrai. Bah, je pense que c'est vraiment parce que tout le monde se mettait à en lire, et du coup forcément ça rentrait dans les références, là où avant, comme il y en avait beaucoup moins du manga... Ça a mis beaucoup plus de temps à rentrer. Puis aussi, il y avait un peu de préjugés sur le manga qui commence à disparaître quand même pas mal maintenant. Mais je me souviens, même à l'école, le manga était assez mal vu. Et du coup, c'était un peu genre avec mes potes, dans la tête, on faisait le studio Manfra. Donc c'était le manga français. Et il y avait un peu ce truc où fallait pas trop faire du dessin manga. C'était un peu mal vu. Alors fallait un peu changer son dessin et tout. Et puis finalement, maintenant, je pense que ça va, on peut dessiner plus manga et il n'y a pas de souci. Justement, puisque tu parles de l'école, c'était dans la région. Oui, à Angoulême. Quel souvenir tu gardes? Comment tu es arrivé là? Tu as fait un parcours, je crois, aussi vers
sur Poitiers. Ouais, bah au début je... C'est un régional, quoi. Oui, oui. Oui, parce que moi je suis de Poitiers, du coup. Et effectivement, j'avais envie de faire de la bande dessinée, mais je savais pas trop. Du coup, je suis allé... je crois que j'ai fait une première année d'histoire de l'art. En fait, je savais pas du tout. J'avais loupé les concours parce que je m'étais pas renseigné. Je connaissais pas les écoles, en fait. Et j'avais fait une première année d'histoire de l'art qui m'avait pas plu du tout. Et là, je me suis dit, oh là, il faut que je trouve un truc vraiment. Et du coup, je suis rentré d'abord aux Beaux-Arts de Poitiers, puis après aux Beaux-Arts d'Angoulême. Et c'est vrai qu'au Beaux-Arts d'Angoulême, c'était hyper cool d'avoir plein de gens qui s'intéressaient à la bande dessinée. Mais pas uniquement, en fait, comme c'est une école d'art, il y avait vraiment tous les types de cours différents. Et ce qui était vraiment chouette, c'est qu'on pouvait vraiment expérimenter et qu'on n'a pas fait que de la bande dessinée. Et je pense, moi, j'en avais besoin parce qu'à ce moment-là, j'étais peut-être pas assez curieux. Et en rentrant à l'école, ça m'a rendu curieux, le fait de voir... du coup, le travail des autres, d'être dans ce milieu un peu où tout le monde parle des différentes formes d'art et tout ça. Et je pense que je me suis beaucoup ouvert et aussi avec du coup la librairie d'Angoulême qui était assez énorme. Mais en fait, j'empruntais beaucoup de livres et je lisais. Et c'est vraiment là où j'ai découvert d'autres types de bandes dessinées, peut-être moins commerciales, que je lisais pas du tout avant parce que j'y avais pas accès en fait. Donc c'était vraiment. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé l'école. Et après, j'ai fait un master bande dessinée. Du coup, et après, j'ai fait aussi un DENSEP sur la bande dessinée, où là, c'était beaucoup plus dans l'analyse de la bande dessinée et sur la théorie, et c'était vraiment stimulant aussi, parce que du coup, on met en fait des trucs qui pourraient être intuitifs, là, on les étudie, et on doit décortiquer et comprendre comment ils sont faits, et du coup, je pense que ça sert aussi même pour la création, en fait. C'est amusant de noter que maintenant, Angoulême, il y a aussi une école de manga, ce qui prouve que, justement, aussi, ah, oui. La vision qu'on peut en avoir a beaucoup évolué. C'est en parallèle de tes études que tu commences aussi à publier sur Manolo Sanctis, qui est donc un site participatif, en fait, où chaque auteur peut venir mettre ses planches. Et toi, c'est vraiment comme ça que ta carrière va se lancer. Oui, c'est vrai. En fait, je crois que c'était peut-être en deuxième ou troisième année. Peut-être deuxième année, je pense. En fait, j'avais envie de... On discutait tous d'éditeurs, de projets, de trucs comme ça, et je me suis dit, bon, allez, là, j'ai toutes les vacances scolaires, et il faut que je fasse... j'ai trouvé un endroit où il y avait tous les concours, et je me suis mis à faire tous les concours, même des trucs pour juste un logo, pour gagner des figurines, genre plein de concours de dessin, au moins pour m'entraîner, et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y avait Manolo Sanctis, du coup c'était un site où effectivement n'importe qui pouvait mettre des pages de bande dessinée, et c'était cool parce que c'était un vivier vraiment intéressant. Et il faisait des concours aussi, et c'est comme ça que j'avais découvert, où on pouvait faire 8 planches thématiques sur un thème. Je crois que le premier, il s'appelait Fantasme, et la marraine, c'était Pénélope Bagieu, et du coup, fallait faire une histoire sur ce thème-là. Et j'avais fait 8 planches, et j'avais eu la chance d'être sélectionné et de paraître dans le bouquin. Donc ça, c'était une des premières expériences de publication, parce qu'après, il y avait un peu du fanzina et plein d'autres choses. Et j'ai refait plusieurs fois ce concours-là. Et à ce moment-là, l'éditeur est venu me voir en me disant « Bon, on aimerait bien... est-ce que tu as des projets? Parce qu'on aimerait bien t'éditer. » Et là, ça m'a rendu fou. Et j'ai proposé 3 histoires, je crois. Et du coup, c'est parti sur Skins Party, mon premier album, qui est sorti en 2011, je crois. Et c'était une bonne expérience. Après, c'est vrai que du coup, c'était un peu bizarre parce que l'éditeur a complètement disparu. Et je me souviens de ce moment à Angoulême où l'album était en sélection. C'est ça, parce que premier album, première sélection, faut bien me le dire. À Angoulême, ouais, c'était cool. Et en fait, j'avais pas de passe d'entrée au festival, j'avais rien, je pouvais même pas savoir. J'avais aucune info, c'était très très bizarre comme période, j'ai jamais pu dédicacer l'album et tout. Mais bon, au final, c'est un souvenir quand même assez cool et assez formateur. Et juste pour rappeler Skins Party, c'est une espèce de soirée qui dégénère entre potes. Ouais, c'est un récit choral où on suit 5 jeunes. Donc chaque chapitre, c'est on suit un personnage et on le voit du début jusqu'à la fin de la soirée. Et en fait, en voyant leurs différentes histoires qui se croisent et qui se répondent, en fait, on arrive à comprendre le drame final. C'est un peu ça. Mais je pense que c'est un peu lourd comme histoire. Je me souviens plus trop, mais je l'ai fait il y a longtemps, alors j'ai pas relu. J'espère surtout qu'il vous a pas donné envie de le lire, puisqu'on trouve plus l'album ou on le trouve sur Internet à 150 euros, tellement il est recherché. Ouais, il est introuvable. Du coup, moi j'ai genre juste 3 exemplaires, un peu abîmés et tout. C'est devenu collector. Et du coup, je les garde. T'avais à l'époque, j'ai retrouvé une interview, je crois que c'est dans la Charente Libre, où t'expliquais que t'avais une technique de dessin assez particulière, parce que tu dessinais, tu scannais tes planches et tu les modifiais ensuite à la palette graphique. Ah oui, je me souviens plus de ça. Ah si, je sais. En fait, je faisais un storyboard
assez précis. Et après, je l'ai scanné et je repassais par-dessus. Je crois que c'est ça, en fait. Ouais. Et du coup, j'avais tout redessiné à l'ordinateur. En fait, c'est plus parce que mon éditeur m'avait dit « Bon, t'as 6 mois pour faire la BD. 120 pages. » Et à ce moment-là, j'avais pas trop d'expérience et je faisais mes cours en même temps et tout. Et du coup, je crois que comme j'avais pas le temps, j'avais scanné le storyboard et il y avait des problèmes de dessin partout. Et j'avais quand même... En fait, j'avais pas le choix. Et du coup, c'était un peu la première fois où je devais tenir les délais, où je devais faire les planches et tout ça. Et je crois qu'au final, ça m'a servi parce que maintenant, j'arrive bien à... en fait, même si du coup, il y a une deadline courte et qu'il reste pas beaucoup de temps, et ben, j'arrive bien à me discipliner pour finir l'album... dans un temps précis, et du coup, ça m'a quand même appris pas mal de choses. Parce qu'aujourd'hui, tu fais tout à la palette graphique. Ouais, je fais tout à l'ordi, sauf le storyboard. Mais le storyboard, c'est vraiment un storyboard de... Vraiment, c'est là où c'est de la mise en scène, avec les personnages dessinés très rapide. Et avec c'est là où se créent les dialogues, en fait. Donc c'est vraiment pour moi, et je pense que c'est illisible pour les gens, pour la plupart des gens. Donc tu fais dessin, dialogue, couleur. Ouais. Tu peux... Voilà, c'est ton bébé de A à Z. Ouais, au plus ou moins, il y a des trucs que je sais pas faire, genre la typo, la fabrication et tout, donc ça va. Mais pour l'instant, je fais tout, ouais. Alors, je fais un petit bond dans le temps pour arriver en 2017, la sortie de Ces jours qui disparaissent, qui va être l'album qui vraiment va te révéler, puisque je crois qu'il y en a 60 000 exemplaires vendus, je sais pas combien on en a aujourd'hui, mais ça peut-être encore... 85 000, ouais, 85 000 pardon, j'avais... Ouais. Non, mais là aussi, raconte-nous l'histoire pour ceux qui l'auraient pas lu. Ah oui, alors... Ces jours qui disparaissent, c'est l'histoire de Lubin. Et un jour, il se réveille et il se rend compte qu'il ne se souvient pas du tout ce qui s'est passé le jour d'avant. Et en fait, ça se répète. Où en fait, il commence à ne plus vivre qu'un jour sur deux. Et en fait, il ne comprend pas ce qui se passe. Et il essaye, donc il se filme. Et en fait, il voit que du coup, sur la vidéo le lendemain, qu'en fait, il se réveille. Mais ce n'est pas lui parce qu'en fait, il est un peu différent. Genre, il fait son lit alors qu'il ne fait jamais son lit ou ce genre de choses. Et du coup, il y a une autre personnalité qui vit à sa place... un jour sur deux, et du coup, ça commence. L'histoire commence comme ça. C'est le moment où tu comprends que ton univers va être cette espèce de fantastique thriller ancré dans la réalité avec ses... Bah ça, je m'en rends pas. Enfin, Parce que les trois derniers albums, finalement, la base narrative, c'est ça. Mais en fait, à la base, je voulais parler du. Moi, je. Ah, donc avant, il y avait eu Les Vestiaires aussi, ouais. Un autre album, du coup. Et à ce moment-là, donc ça, c'était des albums que j'avais fait après, enfin pendant les études. Et du coup, il y a quand même le confort des études où notre but c'est d'avoir le diplôme et tout ça. Et les premières publications, c'était un peu bonus à côté. Mais par contre, une fois qu'on est sorti, que je me suis retrouvé dans une autre ville, je me suis dit oh là là, il faut que je commence à faire des choix précis et tout. Et je voulais faire de la bande dessinée, mais je savais pas si c'était facile. De réussir, d'être publié. Je savais pas si j'allais être republié à nouveau, en fait. Et à ce moment-là, j'hésitais entre faire de la bande dessinée ou faire des métiers plus pragmatiques qui rapportent de l'argent et faire de la bande dessinée à côté. Enfin, c'était un peu des choix de vie, comme ça. Et c'est là où est venue l'idée d'un personnage qui vit un jour sur deux, l'un qui prend du coup la direction plus pragmatique, l'autre qui prend la direction plus artistique, en fait. Et c'était vraiment des questions que j'avais à ce moment-là. Effectivement, du coup, j'ai créé le dossier et j'ai eu de la chance d'avoir plusieurs éditeurs intéressés. Et c'était vraiment cool à ce moment-là. Et puis du coup, ça s'est hyper bien passé par la suite aussi. C'est des BD de grand angoissé, finalement, que tu fais. Ouais, après, j'étais pas si angoissé que ça, mais en tout cas, c'était des questions qui me travaillaient. Parce qu'avec à chaque fois, c'est justement là, cette dimension d'un jour sur deux, il y a des jours qui peuvent disparaître. Là, en l'occurrence, dans 47 cordes, cette dimension de... qui sont tous ces êtres qui nous entourent. Dans la BD d'avant, la dimension familiale et destruction de la famille, psychologique, c'est quand tu dis que ça devient un peu naturellement, ce qui est le cas pour beaucoup de créateurs, ça révèle peut-être quand même... Ah oui, peut-être. Alors que moi, je vais super... Enfin, je n'ai pas trop de ce genre de problème. T'as pas de problème. Non. Non, je pense que c'est juste des sujets qui m'intéressent, en fait. Et dans Le Patient, tu rends un peu hommage à Vertigo, non, Hitchcock ? Je sais pas si je rends hommage. En fait, il y a... En tout cas, c'est la BO que j'écoutais quand j'écrivais, parce que ça me mettait dans l'ambiance. En fait, comme le début, il y a la forme de spirale, du coup, ça m'est arrivé à m'hypnotiser pour réussir à écrire. Et effectivement, c'est un peu ce que j'écoutais, c'est un peu les thématiques. Il y avait tout un travail sur le cinéma de Hitchcock, mais en référence, et aussi sur des... Genre, l'héroïne, elle était un peu directement inspirée d'une héroïne de Brian De Palma dans Dress to Kill, Pulsion, du coup. Et en fait, c'est un peu des références comme ça que j'avais, où il y a un peu une scène de musée, où il y a une espèce de course de poursuite un peu. Et c'est juste des références un peu thématiques, mais effectivement, il y avait toute une dimension comme ça de... En fait, quand j'ai essayé de penser l'ambiance globale du patient, c'est un peu ces références-là qui venaient, du coup. Donc là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est vraiment cet ancrage dans le cinéma et
et dans le ouais, milieu, après, c'est plus ça me crée des imaginaires, en fait. Et du coup, je les réutilise après. Et pourtant, tu veux... Enfin, je ne sais pas si on t'a proposé, d'ailleurs, mais sur les adaptations des précédents albums, ce n'est pas toi qui es ni à la réalisation, ah oui. ni au scénario, ni... En fait, on m'a proposé des projets ou de travailler un peu dans des trucs de cinéma et tout, mais en fait, pour l'instant, j'ai un peu tout refusé parce que je ne me sens pas prêt. En fait, c'est vrai que le cinéma, j'aime beaucoup, mais en fait, j'ai l'impression que c'est... On écrit, on travaille beaucoup, mais en fait, il y a tellement d'enjeux financiers que les projets ne peuvent jamais se faire. Et du coup, mon plaisir, c'est aussi dans le fait de raconter des histoires. En fait, je suis pas sûr que ça me plairait réellement. Et du coup, pour l'instant, j'ai préféré. En fait, toutes les discussions qu'on a eues avec les producteurs qui étaient intéressés et tout ça, en fait, c'était un peu pour moi une forme d'apprentissage et découverte du milieu aussi. Et pareil, là, je vais aller normalement sur le tournage du Patient en décembre. Et aussi, pareil, ça va être la première fois que je vais être sur un plateau. Donc, je vais découvrir. Comment ça fonctionne, et en fait je préfère découvrir petit à petit, et on verra un jour si ça m'intéresse ou pas, et si je me sens prêt, et s'il y aura des projets qui arriveront, mais du coup pour l'instant pas trop. Que je sais plus qui disait, j'ai perdu la référence, mais que la seule différence entre le cinéma et la bande dessinée, c'est une question de rythme. T'es d'accord avec ça? Ah oui, non, parce qu'en fait il y a beaucoup de manières de... il y a des outils narratifs qui sont présents dans la bande dessinée, qui sont pas présents dans le cinéma, et inversement. Du coup, c'est vraiment deux manières de raconter différentes. Où, en fait, il y a vraiment des récits qui peuvent être uniquement pensés pour la bande dessinée. Et par exemple, dans 47 cordes, il y a des ellipses qui fonctionnent uniquement en bande dessinée, en fait. Et je pense qu'il y a vraiment plein de petits détails comme ça qui diffèrent. Et je pense, pareil, le travail d'adaptation. Moi, j'avais envie de laisser libre les réalisateurs et de ne pas m'immiscer dans le processus, parce qu'en fait... moi, si j'avais dû réécrire, en fait, j'aurais changé beaucoup de choses, parce que c'est pas du tout le même matériau. Enfin, on travaille pas du tout de la même manière, en fait, une histoire, en fonction de si c'est pour une bande dessinée ou pour du cinéma ou de la série. Donc, pour l'instant, je laisse assez libre en général sur les projets. T'as pas de droit de regard? Pas particulièrement, mais parce que aussi j'ai pas envie que ça me prenne trop de temps, je pense. Mais ça te fait pas peur, parce que tu disais que tu faisais tout de A à Z quand c'était l'objet bande dessinée, de finalement refiler à ton bébé? Non, je trouve que c'est facile, parce qu'au pire, je me dis c'est pas mon histoire, donc c'est pas grave. Enfin, moi, mon histoire, c'est la bande dessinée, et je l'ai faite. Et après, c'est pas très grave si les projets reflètent pas forcément ce que moi j'aime, mais c'est pas... Ouais. On verra. Oh, c'est... Oui. Quand même ton histoire au départ, donc oui. Ça peut être gênant si le film est complètement raté à ton goût. Ouais, bah ça, je sais pas, j'ai pas trop. Je verrai si un jour ça arrive. Enfin. On le disait, 47 cordes, c'est quasi 400 pages, je crois. 300. Dès le départ, tu sais que ça va être deux tomes de 400 pages chacun. C'est déjà tout découpé, ou c'est une fois que tu pars de ton histoire, que tu déroules la petite pelote et que tu te rends compte que c'est un récit qui va devenir abyssal, parce qu'en fait, c'est... Ça s'arrête à 800 pages, parce qu'il n'y a que 47 cordes. Mais enfin, si tu avais pris un piano, ça aurait pu aller encore plus loin. Oui, oui. ou alors, du coup, si j'avais pris genre un violon, il y aurait eu moins d'histoire. Voilà, un violon, ça aurait été un petit tome tout. 4 cordes. Mais, ou 5, je ne sais plus. Bon, je sais plus. Mais en tout cas, ouais, à la base, le récit, on l'avait pensé. Enfin, je l'avais pensé pour 350 pages, l'histoire globale. Oui. Mais en fait, le truc, c'est que quand j'écris une histoire, en fait, là, j'avais déjà tout l'arc narratif, je savais où j'allais. Mais c'est hyper dur d'estimer combien de pages ça peut prendre réellement, en fait. Et j'ai tendance souvent à sous-estimer les histoires, mais je savais que ça allait être une histoire un peu dense. Mais aussi, comme mon éditeur me laisse assez libre, en fait, j'ai la chance de pouvoir un peu faire le nombre de pages que je veux, parce que la collection, en fait, Millefeuille, elle permet de... Enfin, il y a plein de livres au format différent, et du coup, ça permet de vraiment avoir l'espace qu'on veut. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, dans l'écriture, on s'est rendu compte avec mon éditeur que c'était plus intéressant de diviser l'histoire en deux, pour plein de raisons différentes. Il y avait un endroit qui était intéressant pour couper l'histoire. Il y avait... Du coup, ça aurait fait un trop gros livre qui n'aurait pas forcément été agréable à manipuler. Et aussi, moi, ça me fait du bien de faire une pause, peut-être, aussi, et d'avoir peut-être un but. Si j'avais dû faire les 800 planches d'un coup, ça aurait été peut-être un peu trop long et un peu comme dans un genre de tunnel où on ne voit jamais la lumière. Alors que là, il y a un peu cette aération de la première sortie du premier volume, et après, il y aura le deuxième. Donc. Parce que là, tu as l'histoire, évidemment, du deuxième volume en tête, mais tu n'as pas commencé les planches. Pour l'instant, je fais le tour. Tu t'es arrêté Ouais, mais en fait,
Je fais un tout est écrit et je suis en train de faire le storyboard. Là, je suis en pause au mois de novembre, juste parce que, en fait, comme il y a un peu les dédicaces, les interviews, enfin des trucs comme ça, en fait, j'aurais pas le temps de d'écrire, parce que l'écriture, j'ai besoin de vraiment être à fond dedans, d'y penser tout le temps et tout. Et en fait, là, ça serait pas possible. Mais du coup, dès décembre, je reprends et après, comme c'est une suite, tout est déjà pensé globalement, donc ça va prendre moins de temps que le premier tome. Et t'as pas peur que certains moment narratif du tome 2, tu te dises, ah mince, du coup, dans le tome 1, j'aurais peut-être dû faire comme ça, j'aurais peut-être dû... Ah oui, bah après, tout est écrit depuis le début. Et dans l'idée, en fait, tout est globalement pensé, donc tout est déjà installé dans le tome 1, normalement. Après, effectivement, il y a toujours une marge de manœuvre, d'improvisation sur les scènes et tout ça, donc peut-être qu'il y aura des moments comme ça, mais a priori, ça, j'ai tout fait pour que ça arrive pas. Donc, parce que c'est la première fois, en fait, que tu travailles sur une histoire en deux. Ouais, et la première fois que je vais avoir des retours de personnes. Et c'est ça. Et du coup, c'est intéressant aussi de voir que, les choses à améliorer pour le tome 2, ou d'avoir plein d'avis différents, ça, c'est hyper cool. Oui, je vais découvrir. Mais sauf que ça peut te faire forcément te donner beaucoup plus de questions sur le tome 2. Si t'as oui, après, des questions, je trouve que c'est plutôt bénéfique, parce que des questions, j'en ai tout le temps, en fait. J'hésite tout le temps, ou j'essaye tout le temps de penser... des détails, d'essayer de réfléchir à plein de choses. Donc, pareil, je lis pas mal de livres d'études de scénarios et tout ça, parce qu'en fait, ça crée... en fait, ça nous fait penser à notre histoire, et du coup, ça peut la mettre en danger, mais du coup, ça nous fait vraiment la penser jusqu'au bout pour que tout soit précis. Enfin, du coup, c'est assez intéressant, j'aime bien, justement. Et comment tu travailles? Tu fais donc le storyboard, ok, mais quand tu te mets à faire les planches, c'est... planche par planche, puis les dialogues, puis tu colorises. Est-ce que tu termines une planche et tu passes à la suivante de A à Z? Ben en fait, je commence, du coup, j'ai tout le texte écrit. Ouais. Et ensuite, mais pas forcément dialogué, il y a des intentions de dialogue, mais il n'y a pas les dialogues précis encore. Et ça, ça se crée vraiment au moment du storyboard, où à ce stade, je dessine, je crée les scènes, et après, je crée les dialogues aussi. Et après, bah, y a toute une phase où j'affine ça régulièrement, en fait, pendant toute la BD. Les dialogues sont affinés au fur et à mesure, en fait, ou plus ou moins, ou genre ce travail d'enlever les répétitions, que ça soit le plus fluide possible, enfin des trucs comme ça un peu. Et une fois que j'ai tout le storyboard, et bah là, je commence à faire les planches. Et en fait, en fonction du temps, là, sur la fin, je devais aller quand même vite, parce que l'album était annoncé, et du coup, il fallait que je fasse mon quota de planches. Et du coup, j'ai fait toutes les planches en noir et blanc. Je faisais deux planches par jour en noir et blanc. Ah oui. Et sur la fin, et à la fin, j'ai fait toute la couleur, et c'était 9 planches par jour de couleur. Donc ça me permettait je devais cocher. Et si j'avais pas fait mon quota, le lendemain, j'étais redevable des planches que j'avais pas faites avant, et du coup ça s'accumulait, donc fallait pas que je prenne de retard, en fait. Et c'était un peu de la torture personnelle, mais c'était marrant. Tu rajoutes un tueur au milieu, ça fait la prochaine BD, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai. Et comment tu travailles justement avec l'éditeur? Parce que on a tendance à penser que plus les albums sont volumineux, et plus il y a un travail de l'éditeur qui est important aussi, parce que l'auteur a évidemment plus de chances de se perdre. Et comment toi tu travailles avec ton éditeur chez Glénat? Est-ce que c'est des allers-retours quotidiens? Est-ce qu'au contraire il te laisse une liberté totale et tu lui envoies le projet ou les planches 50 par 50, j'en sais rien, et il te valide ça? Comment se passe la relation? Après, ça dépend des albums et ça dépend des personnes aussi, je crois. Moi, je sais que j'aime bien être plutôt libre, même si j'ai besoin de lui pour... En fait, en gros, dès le début, je lui pitch l'histoire et on en parle. Et à ce stade-là, normalement, j'ai tout le récit, donc on arrive à en parler en détail et tout ça. Et en fait, il me donne... ce que j'aime bien, c'est qu'il me donne beaucoup de conseils, enfin, des conseils de lecture, des points où là, il faut dire, ah, sur ce point-là, il faut faire attention que ça aille pas trop dans cette direction ou cette direction. Mais c'est pas forcément très précis au début, en tout cas. Et après, il me laisse assez libre, et souvent, j'ai pas énormément de choses à changer, sauf vraiment des trucs importants sur la fin. Et du coup, je pense qu'il me tend plutôt des directions globales, et j'aime bien cette manière de travailler, en tout cas. On a l'impression que ton univers, au fur et à mesure des albums, prend de plus en plus d'ampleur, que ce soit en nombre de pages, mais pas que. Tu le ressens, toi aussi? Est-ce que, basiquement, à chaque BD, tu es encore plus content et encore plus fier que la BD d'avant, et tu sens que ton dessin et ton art progressent? Bah, après, je sais pas si je le sens, parce qu'en fait, dès qu'une BD sort, je l'aime plus, et ah ouais. Je pense que à la suivante. Et du coup, j'ai un peu du mal avec... Enfin, je vois tous les défauts tout le temps, en fait, je pense. Mais en fait, je trouve que chaque nouvelle BD, c'est un peu un nouveau défi qui est hyper stimulant.
Et du coup, j'essaye d'améliorer les points qu'on peut-être. Ou de, enfin, ouais, d'essayer de m'améliorer en fait à chaque fois, d'album en album. Enfin, j'essaye. Et du coup, j'essaye de faire un peu plus d'efforts sur certains points et tout ça, qui étaient peut-être des faiblesses avant. Après, il y a aussi. Genre, je me suis quand même fait plaisir sur plein d'aspects du livre aussi, où là, c'était vraiment des plaisirs personnels de dessin et tout ça. Parce que, comme du coup, à chaque fois, c'était dans des milieux un peu urbains où il y a un peu genre des rues à dessiner. Enfin, ça commence à m'ennuyer un peu, et du coup, bah, j'avais envie de trouver comment raconter cette histoire, mais avec des choses qui sont intéressantes et stimulantes à dessiner. Et c'est pour ça qu'il y a une multiplication de personnages, parce que j'aime beaucoup designer des personnages, en fait, ça m'amuse pas mal. Essayer de faire en sorte de les gérer et qu'ils soient quand même tous assez différents et tout. Et pareil, le contexte de la musique, le milieu de la métamorphe qui est assez. Qui étaient des choses que j'avais envie de dessiner et que j'avais pas encore forcément dessiné avant, donc c'est un peu des envies de dessin. Ouais. Effectivement, on sent que tu t'amuses plus à dessiner des personnages que des décors. Ouais, les décors, j'avoue, j'aime pas trop. Enfin, ça dépend. Genre, il y a une fête à un moment. Et là, ça m'amusait parce que chaque nouvelle case était un nouveau défi de création. Mais quand c'est genre un peu une rue avec des voitures et tout, c'est vrai que là, du coup, ça a tendance à m'ennuyer pas mal. Et quand tu dis que tu essaies de progresser sur des points précis pour chaque album, celui-là, c'était quel point où tu te dis je vais faire particulièrement attention à ça ou ça ou ça? Bah là, en fait, le principal défi, c'était vraiment sur les personnages, où comme il y en a beaucoup, essayer de leur créer des designs. En fait, je pense qu'on a un peu des systématismes de dessin. Et en fait, on a un peu genre des catalogues de personnages qu'on sait dessiner. Et en fait, dans cette histoire-là, je me suis forcé à essayer d'ouvrir mon catalogue de personnages pour essayer de faire. Par exemple, il y a des nez crochus ou en l'air ou des trucs comme ça, mais de faire plus de variétés de nez que j'avais pas forcément dessiné avant, ou des manières de représenter les sourcils, les yeux, les mâchoires et tout ça. Et j'ai vraiment essayé de faire attention à ça dans cet album-là. Et du coup, c'est cool parce qu'en fait, je me suis dit, ah mais je vais peut-être. Au bout d'un moment, j'aurais plus d'idées de personnages et tout. Et en fait, plus on en crée et plus on a d'idées de design. Du coup, c'est assez intéressant, en tout cas. Mais surtout quand on crée une métamorphe, il faut mieux avoir d'autres. Oui, c'est ça en fait. Et j'avais envie de lui créer un terrain de jeu dans lequel elle peut se glisser, où il y a beaucoup de personnages et où il y a. Enfin, il y avait tout un travail comme ça autour des personnages. Ouais. Le tome 2, donc tu disais le storyboard est bouclé, en gros. Ça veut dire que tu es déjà, toi, d'un point de vue histoire, en train de penser à l'album après le tome 2? Ah oui, en fait, je me laisse pas penser ça. Mais par contre, j'ai toujours des projets qui m'amusent. Et du coup, avant, je les notais pas. Et depuis quelques temps, je les note. Et du coup, j'ai plein de. J'ai tout. Enfin, j'ai genre des trucs genre pitch, idées d'histoire. Et après, quand c'est un peu plus travaillé, j'ai carrément des récits entiers que j'ai dans mon ordinateur. Et du coup, ça me permet de. Enfin, j'ai plein d'histoires déjà prêtes, en fait. Après, elles sont peut-être pas intéressantes ou peut-être pas bien. Et tout ça, mais c'est des histoires qui me plaisent, et du coup, à des moments, je peux piocher. Et des fois, ces histoires peuvent se mélanger aussi et créer des histoires qui sont plus particulières et plus intéressantes. Et du coup, c'est un peu. En tout cas, là, pour l'instant, c'est vraiment trop tôt parce que, comme j'ai tendance à changer d'envie tous les 3 mois et tout, ou même plus régulièrement, en fait, je sais pas du tout ce que je voudrais dessiner dans un an, donc on verra. Et tu penses que tu vas rester comme ça encore pendant plusieurs albums dans cette espèce d'univers thriller fantastique qui est assez. Peu exploré finalement par les jeunes auteurs. Toi, c'est un peu ton credo et t'as envie de rester là-dedans. C'est marrant parce que moi, je me dis pas que c'est ce genre-là, mais c'est que tu te relis, tu le vois. Oui, voilà, c'est ça. C'est plus genre les gens qui quand ils parlent des albums utilisent ces termes-là. Mais je pense que en fait, je commence à avoir un peu. En fait, avec 45 heures, je peux parler de plein de choses qui m'intéressent vraiment. Et en fait, j'ai l'impression qu'après, j'ai vraiment envie d'aller vers autre chose complètement. Donc après, on verra. Il y a toujours des systématismes d'écriture, de personnages, de dessins et tout. Mais j'aimerais bien essayer d'expérimenter plus après, en tout cas. Donc. Et quoi, tu sais? Maintenant, je sais pas du tout. Humour, je sais pas si... je sais pas si j'en suis capable. Enfin, je lis pas trop de BD d'humour, du coup, ou très peu. Mais je sais pas. Des récits vraiment purs horreur ou... Ouais. Peut-être même genre heroic fantasy. En fait, j'aime plein de trucs différents, donc je sais pas encore du tout... Tu veux redessiner les squelettes de ton enfance? Ouais, j'aimerais bien, ouais. J'ai des histoires, j'en ai plusieurs avec des concepts un peu comme ça. Bon, on découvrira ça avec intérêt. Merci beaucoup en tout cas, Timothée, ouais, d'avoir fait un petit détour par la station Ozone pour nous présenter donc 47 cordes, tome 1 qui est sorti. Le tome 2, tu as une idée de la date de sortie fin d'année prochaine? Pour l'instant, la date optimiste, c'est fin 2022.
Et la date plus objective, ça serait courant 2023, j'imagine. Maintenant, il va falloir faire les deux pages par jour et la punition le lendemain. Si là, j'ai encore du temps, si je tiens. Comme je connais mon rythme, ça va pour l'instant. Bon, merci beaucoup en tout cas. J'espère qu'on vous a donné envie de lire cet album 47 cordes qui est publié chez Glénat.